السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، للصيام في شهره العظيم وموسمه المبارك خصوصية في الدعاء، فالدعوات فيه متقبلة مستجابة، وهذا مما يقوي في المؤمن وفي الصائم الإقبال على الله جل وعلا دعاء ورجاء وسؤال وطمعا. فإن الدعوات للصائم دعوات مستجابات لا ترد. Cher serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah. Et celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala
doit savoir qu'Allah Azza wa Jal le préservera. Celui qui craint Allah, tabaraka wa ta'ala, doit savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guidera et l'orientera. Ensuite, sachez que le jeûne durant ce mois béni, le jeûne durant cette période magnifique, a un très grand lien avec une autre adoration qui est l'invocation. Les invocations durant cette période ne sont pas rejetées, elles sont acceptées. Et cela est une chose qui renforce le jeûneur durant son jeûne, à tel point qu'en prenant conscience de l'importance de l'invocation, lorsque tu jeûnes, en prenant conscience de l'importance de l'invocation durant ce mois béni, cela va renforcer le jeûneur à multiplier les invocations, à cela va le pousser à avancer vers Allah Azza wa Jal, à lui demander, à l'invoquer et à convoiter ce qu'il y a auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il est capital de transmettre autour de nous cette grande nouvelle, cette merveilleuse annonce. Le jeûneur a ses invocations acceptées, elles ne sont pas rejetées. Ayyuha al-ibad, wa ta'ammalu fi hadha al-bab al-azim. قول الله جل وعلا في سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فإن هذه الآية العظيمة آية الدعاء جاءت متوسطة بين أحكام الصيام وفي أثناء آياته العظيمة فقبلها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبعدها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وهذا التوسط كما أشار إلى ذلك علماء التفسير يفيد أن لرمضان ولشهر الصيام وللصائمين خصوصية في إجابة دعواتهم. يا سوجي méditez sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate al-Baqarah. Allah azza wa jalil dit dans le sens du verset: et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Ce verset magnifique, le verset numéro 186 de sourate al-Baqarah, que les savants ont appelé Ayatul Dua, le verset de l'invocation. Où se situe-t-il? On a dit dans Surat Al-Baqarah. Et sachez que dans Surat Al-Baqarah, il y a ce que l'on appelle Ayatul Siyam, les versets du jeûne, du verset 183 au 187. Et ce verset précisément, ce verset que l'on appelle le verset de l'invocation, il se trouve entre deux versets qui tous deux parlent du Ramadan. Ce verset, il se trouve en plein milieu des versets du jeûne, les versets du Ramadan. Le verset juste avant, Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le sens du verset? Le mois du Ramadan, durant lequel le Coran fut révélé. Le verset juste après, où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens: on vous a permis la nuit du jeûne d'avoir des rapports avec vos femmes. Et ce verset de l'invocation, il se trouve entre ces deux versets relatifs au jeûne. Et comme l'ont indiqué les savants du tafsir, cela nous renvoie et cela nous indique que l'invocation durant le mois de Ramadan, l'invocation durant le mois du jeûne pour le jeûneur ont un lien. L'invocation durant le mois de Ramadan a un lien spécifique avec où le jeûneur durant le mois de Ramadan a un lien spécifique avec la dua, avec l'invocation. Et cela nous prouve la place particulière que l'invocation a pour le jeûneur. Et lorsque nous méditons sur la situation du jeûneur, durant ce mois béni, le jeûneur est rempli d'espoir d'obtenir la récompense, le succès, la guidée, l'accomplissement du jeûne de la manière la plus complète. Alors, le jeûneur se doit d'invoquer Allah Azza wa Jal afin d'obtenir cela. Durant ce mois, tu as l'espoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte ton jeûne. Durant ce mois, tu as l'espoir qu'Allah azza wa jalla accepte tes prières, accepte tes sadaqas, accepte tes bonnes actions. Alors invoque Allah azza wa jalla afin qu'il accepte.
Durant ce mois, tu multiplies les actes d'obéissance par lesquels tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal. Et si tu veux qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte cela, il n'y a pas d'autre moyen que de multiplier les invocations en se soumettant à lui, en se brisant devant le Seigneur de l'univers, en s'humiliant devant le Créateur des cieux et de la terre. Et lorsque la personne va prendre conscience qu'en faisant l'invocation, cela sera une grande cause afin que tes actions seront acceptées. Et avant le mois de Ramadan, il est possible que certains d'entre nous étions plongés dans des péchés, dans des désobéissances, dans des négligences que nous avons, dans des manquements que nous avons sur nos adorations, comme la prière ou autre. Alors, durant le mois de Ramadan, tu désires ardemment, durant ce mois, qu'Allah Azza wa Jal te pardonne tes péchés. Tu désires qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala accepte ton repentir. Et il n'y a aucun autre moyen que l'invocation afin d'y parvenir. Également, durant le mois de Ramadan, tu as appris que chaque nuit du mois de Ramadan, Allah tabaraka wa ta'ala sauve des gens de l'enfer. Chaque nuit du mois de Ramadan, Allah azza wa jal affranchit des gens de l'enfer. Alors tu souhaites faire partir ces gens. Tu souhaites faire partie de ces gens à qui Allah tabaraka wa ta'ala affranchira du feu de l'enfer. Alors, il n'y a aucun autre moyen que l'invocation pour demander à Allah tabaraka wa ta'ala cela. Chers serviteurs d'Allah azza wa jal, c'est par le biais de l'invocation que tes désirs seront réalisés. C'est par le biais de l'invocation que tes besoins seront exaucés. C'est par le biais de l'invocation que tes fautes seront pardonnées. Voilà pourquoi il faut fuir vers Allah azza wa jal, se tourner vers Allah tabaraka wa ta'ala, lui demander, l'invoquer en pleurant sur nos péchés, en espérant sa miséricorde et en craignant son châtiment. Ayyuha al-ibad, sharafan, yajtami'an, wa yujiban ijabat al-du'a, sharafu al-zaman wa sharafu al-hal. أما شرف الزمان فهو رمضان خير الشهور وأفضلها وأعظمها وأجلها وأما شرف الحال فهو عبودية الصيام التي يتقرب الصائم بها إلى الله جل وعلا. Durant ce mois, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, durant ce mois, l'invocation a une place spécifique et capitale. Et en réalité, lorsque l'on réfléchit sur cela, nous trouvons pourquoi l'invocation a une place capitale dans ce mois? Parce qu'en réalité, deux nobles causes sont réunies. Deux nobles causes de l'acceptation de tes invocations sont réunies. Premièrement, la noblesse du temps. Et deuxièmement, la noblesse de ton état, de ta situation. La noblesse du temps, car tes invocations, car tu vas invoquer Allah durant le mois le plus aimé auprès d'Allah. Durant le mois de Ramadan, le meilleur des mois, le plus important des mois, le plus noble des mois et le plus grandiose des mois. Donc lorsque tu invoques Allah Azza wa Jal durant le mois de Ramadan, première des causes de l'acceptation de tes du'as, c'est que tu invoques durant un moment particulier. Deuxièmement, la noblesse de ton état. Tu invoques alors que tu es en train d'accomplir une très grande adoration. Tu es en train d'accomplir une adoration par laquelle tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal. Tu es en train d'accomplir une adoration qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala aime. Tu es en train de jeûner. Alors lorsque tu es en état de jeûne, multiplie les adorations, multiplie les invocations, car en faisant cela, tu es en pleine adoration. Une adoration continue, tu es en pleine soumission et tu es en pleine dévotion. أيها المسلمون وباجتماع هذين الشرفين العظيمين فإن الدعوات لا ترد بل هي مستجابات وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام 30 لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 دعوات مستجابات دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, et par la réunion de ces deux nobles causes, nous comprenons pourquoi les invocations ne sont pas rejetées et elles sont acceptées. Et à ce titre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a trois personnes
dont l'invocation n'est pas rejetée. Il y a trois personnes dont l'invocation n'est jamais repoussée. Le gouverneur juste, le jeûneur lorsqu'il rompt son jeûne, et l'invocation de la personne qui a subi une injustice. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, trois invocations ne sont pas repoussées. L'invocation du père, c'est-à-dire l'invocation des parents envers leurs enfants, c'est une invocation qui n'est pas repoussée. L'invocation du jeûneur, d'une manière générale, et l'invocation du voyageur. Voilà pourquoi, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, nous comprenons à partir de ces textes que les invocations du jeûneur sont exaucées toute la journée. Et le moment où l'exaucement est le plus proche, c'est le moment de la rupture du jeûne. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, disait, à l'époque on disait, il y a certes une invocation exaucée pour chaque croyant au moment où il rompt son jeûne. Soit on lui avance dans la vie d'ici-bas, soit on lui prépare dans la vie de l'au-delà. Et Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, au moment de la rupture du jeûne, il disait, « Ya wasi' al-maghfira, irfirli. Oh, toi qui as un large pardon, oh, toi le détenteur du large pardon, pardonne-moi. » Chers serviteurs d'Allah, voilà comment nous devons être au moment de la rupture du jeûne, en adoration, en soumission, en invocation et en préparation de la prière du Maghreb. Nous jeûnons toute la journée, ce n'est pas pour rater, pour manquer la prière à la mosquée. Notre place au moment de la rupture du jeûne, c'est ici, c'est à la mosquée, et notre place n'est pas chez nous en préparation des repas. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم تقارب بارك الله فيكم essayez de faire encore un effort pour vous avancer. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها العباد وقول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان هكذا جاء إخبار الله جل وعلا بأنه يجيب سؤال من سأله ودعاء من دعاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ولم يقل فقل إني قريب أجيب وإذا تأملت في مواطن عديدة في سورة البقرة يسألونك عن الأهلة قل ويسألونك عن المحيض قل ويسألونك عن اليتامى قل آيات كثيرة في هذا المعنى تثبت فيها هذه الكلمة بياناً أن معرفة الأحكام الشريعة لا تكون إلا بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, revenons à la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, le verset 186 de Sourate Al-Baqarah. Dans le sens du verset, et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque, le verset. Voilà comment le verset est venu. Voilà comment Allah, tabaraka wa ta'ala, nous informe lui-même. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous informe lui-même qu'il répond à l'invocation de celui qui l'invoque quand il l'invoque. Qu'il répond à l'appel de celui qui l'appelle lorsqu'il l'appelle. Qu'il répond à la demande de celui qui lui demande lorsqu'il lui demande. Et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, je suis tout proche. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas dit, et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, dis, je suis tout proche. Alors que lorsque la personne lit Sourate Al-Baqarah, lorsque l'on médite sur ces versets dans Sourate Al-Baqarah, à de nombreuses reprises, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe que lorsqu'ils interrogent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dis ceci et ceci. Regardez, nous allons citer quelques exemples. Le verset 189 de Sourate Al-Baqarah, dans le sens, il t'interroge sur les nouvelles lunes, dit, et ensuite le verset continue. Le verset 220, il t'interroge au sujet des orphelins, dit, et ensuite il continue. Le verset 222, et il t'interroge au sujet des menstrues, dit, yani qul, dit, et ensuite le verset continue. Plusieurs endroits,
comme cela. Ou lorsqu'ils interrogent le prophète alayhi salatu wasalam, Allah tabaraka wa ta'ala nous donne cette information et il dit ceci ou cela. Par contre, dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala il dit wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, fa inni qarib, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Allah tabaraka wa ta'ala ne dit pas dit. Ne dit pas au prophète alayhi salam dit je suis tout proche. Pourquoi? Parce qu'en réalité ici on doit faire la distinction entre les règles de la religion. Les règles de la religion ici, que ce soit les orphelins, que ce soit les nouvelles lunes, que ce soit les menstrues, peu importe les règles de la religion, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe dans sourate al-Baqara que notre intermédiaire au sujet des règles, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'on ne peut comprendre la religion, on ne peut comprendre le Coran par l'intermédiaire du prophète alayhi salatu wa sallam. Il a été envoyé par Allah azza wa jal pour transmettre le message, pour enseigner la religion. Par contre, lorsqu'il s'agit de l'invocation, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a aucun intermédiaire entre Allah Azza wa Jalla et ses créatures. C'est pour, et ses serviteurs. C'est pour cela que lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit « Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni » et lorsqu'il t'interroge sur, et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, « Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an » je réponds à celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque, sans qu'Allah Azza wa Jalla dise وتأملوا في قول الله جل وعلا في هذا السياق فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وهذا فيه تنبيه على أمرين ومطلبين جليلين لا يجاب الدعاء إلا بهما ألا وهما صحة المعتقد وكمال الطاعة صحة المعتقد في قوله وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وكمال الطاعة في قوله سبحانه وتعالى فليستجيبوا لي. Et méditez ensemble sur la parole d'Allah Azza wa Jal dans ce contexte. La suite du verset où Allah Azza wa Jal il dit dans le sens du verset qu'ils répondent à mon appel et qu'ils croient en moi afin ils seront guidés. Dans ce verset, nous remarquons que les invocations sont acceptées, que tes invocations ne seront pas rejetées si tu remplis deux choses. Il y a deux choses à accomplir, une croyance authentique et une totale soumission, une totale soumission, une totale adoration à Allah Azza wa Jal. La croyance authentique, nous la trouvons dans la parole « qu'il croit en moi ». Et la totale obéissance, nous la trouvons dans la parole « qu'il réponde à mon appel ». Et c'est ça, la foi en Allah Azza wa Jal, la soumission au Seigneur de l'univers. Et là, nous comprenons que pour avoir cette faveur d'avoir ces invocations exaucées, il y a des choses à respecter, des conditions à valider, des choses à éviter, un comportement à adopter. Sinon, tu risques une invocation rejetée. Et lorsque tu ne trouves pas réponse à tes, invocations, lorsque tu ne trouves pas exaucement à ce que tu as demandé, remets-toi en question. Remets en question ta croyance, remets en question ta aqida, remets en question ta soumission, ton obéissance à Allah Azza wa Jal. Regarde les péchés que tu as commis. C'est peut-être tes péchés qui sont un empêchement de l'exaucement de tes invocations. Et lorsque tu auras réuni toutes ces conditions, une bonne croyance, une totale dévotion, un repentir, alors sache que l'exaucement, il viendra soit ici-bas, ou soit il te sera réservé dans l'au-delà. Faya ayyuha as-sa'im, ya man waffaqaka Allah li bulughi shahr as-siyam wa a'anaka ala ada'i hadhihi at-ta'ah al-'azimah li yakun laka fi hadha ash-shahr al-'azim hadhun wafir min ad-du'a tad'u Allah tabaraka wa ta'ala li nafsik salahan wa istiqamatan wa ghufranan wa naylan lir-ridwan wa fawzan bil-jinan. وتدعو الله لأمتك أمة الإسلام أن يعز الله جل وعلا المسلمين وأن يحفظهم أينما كانوا وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. Ô toi qui jeûne, ô toi qui a été comblé par Allah Azza wa Jal de ses faveurs, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a guidé et il t'a laissé vivant, et tu as atteint ce mois de Ramadan, fait que ce jeûne doit te pousser
à adorer Allah Azza wa Jal abondamment, à invoquer notre Seigneur, à le vénérer, et fait que durant ce mois, tu as une grande part de ton temps qui est donnée dans l'invocation. Lève tes mains, demande, invoque, invoque en ta faveur, afin qu'Allah Azza wa Jal te réforme, afin qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala te guide, afin qu'Allah Azza wa Jal améliore ta situation, afin qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala t'aide à rester sur le droit chemin, sur la droiture, même après le Ramadan. Invoque Allah Azza wa Jal afin qu'il te pardonne tes péchés, afin qu'il t'affranchisse de l'enfer, afin qu'il soit satisfait de toi, afin qu'il t'accorde le paradis. Invoque Allah Azza wa Jal afin qu'il te fasse miséricorde. Et il est recommandé au jeûneur, durant son jeûne, d'invoquer pour les choses importantes de sa vie d'ici-bas, comme pour l'au-delà. Invoque pour ce que tu aimes. Invoque pour tes parents, qu'ils soient vivants ou morts. Parce qu'en réalité, dans le fait d'invoquer pour tes parents, tu auras la caractéristique de l'enfant vertueux. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans le sens du verset, et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis, ô mon Seigneur, fais-leur, à tes parents, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Invoque pour ceux qui te font du bien, invoque pour ton épouse, invoque pour tes proches, invoque en faveur de tes enfants, parce que l'invocation du parent en faveur des enfants n'est pas rejetée. Invoque pour ta communauté, la communauté de l'islam, afin qu'Allah Azza wa Jal guérisse leurs malades, afin qu'Allah Azza wa Jal enrichisse leurs pauvres, afin qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse miséricorde à leurs morts. Invoque pour cette communauté, afin qu'Allah Azza wa Jal l'élève et la préserve, afin qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala préserve nos mosquées de toute fermeture, afin qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala préserve les musulmans des épreuves apparentes et des épreuves cachées. Ne nous réjouissons pas du mal qui atteint la communauté, mais invoquons, soyons comme une fondation où chaque croyant soutienne l'autre croyant. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.